Salut, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous donne ma recette de boulettes de viande de bœuf hachée. Très simple à réaliser et surtout très 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 bonne. Et comme bonus, je vous donne quelques idées de brunch à réaliser avec ces boulettes. Sans plus tarder, passons à la préparation juste après le générique. Alors, je vais commencer par hacher mes condiments à l'aide d'un mixeur. Pour celles qui n'ont pas un mixeur qui hache, vous pouvez hacher à la main, mais prenez vraiment le soin de bien hacher en petites, petites, petites particules. Je ne vous conseille pas de le faire dans un mixeur ordinaire, car ceci va plutôt écraser vos condiments et fournir beaucoup d'eau. Et nous n'avons pas besoin d'eau dans nos boulettes. Donc, hachez soit à la main, soit dans un mixeur pour hacher. Après avoir haché, assaisonnez votre viande. Incorporez le mélange haché, puis vos épices, à savoir le poivre blanc, rondelle, pepper, et vous pouvez saler, cube et sel. Bien mélanger le tout et réserver pour 30 minutes minimum. Après les 30 minutes, nous pouvons former nos boules. Alors, j'ai ces deux bijoux qui me permettent d'avoir de belles boulettes bien rondes et de même grosseur. Et ici, je vais utiliser la plus petite. Alors, je mets la viande dans le creux de l'appareil. Je ferme, je retire les excédents de viande. Une fois la viande hors de l'appareil, je forme bien le rond et tout. Vous voyez? Belle forme, bien ronde, elle est toute jolie. Alors, je continue le processus jusqu'à épuisement de la viande. Ensuite, nous pouvons passer à la friture. Alors ici, je vous donne quelques idées de brunch. Pour cela, j'aurai besoin des pâtes alimentaires que je vais scinder en trois parties, qui sont pour moi de faire trois saveurs différentes. Dans une première saveur, je mets juste du persil et du cube. La deuxième, je mets du cube et du paprika. Je ne sais pas le con. C'est un truc rouge là. Je ne sais pas le nom en français. Dans la troisième, je mets du curry et du cube. Thank you.
Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.